S'il avait au Calandra Broncos. Et c'est parti pour cette rencontre avec un coup de pied assez bizarre, qui est très mal négocié. Ah là 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 là. Et le joueur, le returner qui tombe. Ok, c'est un touchback qui est signalé par les arbitres. J'avais peur qu'ils commencent depuis leur 1 yard, les Argonautes. Ça aurait été une très mauvaise entrée en matière. Il y a environ 8 yards à faire. Toujours la même formation. Trips droit, une course. Non, c'est une passe. Et c'est une passe. Un contre un. Et c'est un touchdown. Adrien Linda. Célébration massive. Célébration. Ça a été travaillé. Adrien Linda qui marque donc devant son public et ça fait 6-0 pour les Blue Stars de Marseille. Voilà, les Blue Stars de Marseille qui débloquent enfin leur compteur au tableau d'affichage. On a entendu le public, ça fait du bien. DN, Taïden, receveur, il est robuste. Et ça passe 7-0 pour les Blue Stars de Marseille. Et bien voilà, ce deuxième carton qui commence bien, en tout cas pour l'équipe locale. Allez, peut-être un blitz, attention au numéro 9, voilà, c'est effectivement, ça, il va blitzer. Allez, premier plaquage esquivé, c'est lancé, attention, ah là là, c'est un dommage, peu trop long. Il s'est arrêté, il a pas continué sa course, il a pas cru. C'est dommage ça. Voilà. Deuxième, pardon, donc ça va être une course, non, une passe, toujours, fin, passe toujours 88. Pedro Rosa, ah, ça il échappe le ballon, et voilà, et c'est récupéré par les Argos. Et c'est ce qu'on disait, le premier turnover, voilà, ça vient enflammer le match. La discipline qui se punit eux-mêmes, toujours le blitz, numéro 5, ouais. Allez, ça a et il vient faire le jeu, magnifique. Eddy Abdullah, MVP défensif élite de l'an dernier. On n'avait pas encore parlé de lui. Il y a tellement de joueurs d'excellent niveau chez les Blue Stars de Marseille. Et il va faire la différence. C'est son premier match avec les Blue Stars. C'est ce que le coach me disait dans les vestiaires. Donc il est revenu. Il n'avait pas joué il y a deux semaines. Exactement. Donc là c'est quelqu'un qui... un joueur qui est très, on va dire, agressif au niveau de la ligne. Donc il blitz beaucoup. On l'envoie beaucoup blitzer. On lui fait confiance. Ouais, c'est pas la il se faufile. Et arrive à faire beaucoup de plaquages pour perte. Très bon rusher. Lui aussi, il a joué en équipe de France et en GFL. Lui aussi, chez les Strobing Spiders. Voilà, il est parti avec. C'est un peu un duo. Hein. Ils sont partis à deux. Avec Adrien Linda. Voilà, encore une fois, attention. Ouais. Voilà, il blisse encore à nouveau. Cette fois-ci, ça va être un sac du numéro 7. Ah oui. Et c'est le sac de David Oliveira de Souza. Transfert en provenance des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Formé au Météor. Formé au Météor. Joueur très agressif également. Donc ça fait un duo avec Eddy. Et oui, hein, le score qui n'est toujours que de 7-0. Tout est encore, possible, attention. Effectivement. Allez, il faut prendre la balle, faut punter, mon ami. Voilà, c'est et parti. C'est plutôt pas mal fait, le punter qui s'en sort pas mal. Allez, faut aller couvrir le ballon, il faut aller couvrir le ballon. Et voilà, c'est parfait. Vont-ils la prendre? Voilà, enfin un joueur des Argonautes qui se décide pour se coucher sur le ballon. Allez, on repart avec une formation spread, c'est une passe. Un tracé court, quick pour le numéro 2, il faut esquiver. Allez, sort du terrain. Il sort, non, il est plaqué. Il est plaqué, ah, c'est le temps qui s'arrête. L'arbitre qui annonce que le temps est coupé. La première est faite. Allez, c'est... On est en deuxième, on est en deuxième tentative. Allez, attention. Il a du temps. Allez, tout seul, il arrive à éliminer. Ah là là, la passe qui est mal ajustée. Ouais. C'est vrai que ce genre de passe. Cette fois-ci, c'était le QB qui a mal ajusté sa passe. Tout à l'heure, c'était le numéro 15 qui était un peu perdu. Non, le corner qui recule. Voilà, le numéro 15, le petit tracé hook. Et voilà, c'est appelé. Par contre, c'est toujours une quatrième. Ouais. Quatrième et 5, et c'est une passe. Ça pour Robert. Ah, là, pour le c'est 15. Pour Vincent Montero. Ça sera TD. Ah, c'est droppé. Encore une fois, c'est droppé par le numéro 15. Ah, le je pense qu'il va être appelé, voilà c'est ça. En toute logique, le D-End, je crois que c'est le numéro 9 des Argonautes qui peut s'en vouloir là-dessus. Valentin Tellier. Et c'est la mi-temps. Ah. Sur le score donc de 7-0, un match qui s'annonce très ouvert pour une deuxième mi-temps, qui s'annonce palpitante je pense. C'était assez plaisant à regarder. Et nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps de ce match entre les Blue Stars de Marseille et les Argonautes d'Aix-en-Provence. Le score est de 7-0 pour les Blue Stars. Un peu surprenant. Vous savez qu'on avait dit que les Blue Stars de Marseille allaient être les gros favoris de cette rencontre et ils n'ont qu'une possession d'écart. Ouais, et c'est parti. C'est un scoop keep, c'est limite un onside, j'ai envie de dire. C'était vraiment... malheureusement, les joueurs n'étaient pas du tout là. Si c'est un outside kick, c'est pas très bien. Il était pas très bon. Mais bon, au moins, on tente quelque chose. Peut-être une course pour gagner un peu de terrain. Non, c'est une passe toujours. Attention, Adrien Linda tout seul. Non, il l'a pas vu. Le QB qui court. Il faut qu'il s'échappe, le stiff arm. C'est bien joué, ça. Ah là 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 là. Ça peut être la première, oui. Encore une fois, hein. Toujours la même formation. Mais une motion, cette fois-ci, de Pedro Rosa. Allez, ça va être sûrement ce côté, voilà, encore une fois. Le numéro 2 qui est tout seul. Suite. Ah là là, il n'a pas le temps, faut qu'il se réajuste de l'autre côté. Il va lancer quand même. Allez, attention, peut-être pour... l'interception. Alors, c'est bien joué. Pas de risque, pas de risque. Numéro 53, hein, Landbaker qui vient mettre sa main. Aucun souci, mais il faut de la réussite. Allez. Quatrième et 10, ça va jouer long. C'est lancé.
le Katier, enfin. Juste devant la headzone. Enfin, Katier. Le catch de Gabriel Bisson. Numéro 2. Et ouais, Gabriel Bisson à la réception. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde là. Ah oui, oui, il y a eu des sacrées salves d'applaudissements dans le stade de l'or. Allez, ça va être pour Robert, non, ça va être une fin. Deuxième touchdown et pour c'est Adrien. Le touchdown, magnifique. Adrien Linda qui marque son. Et la deuxième danse de l'après-midi. Restez comme ça tout le match. Allez, goal haut, snap très haut, ça passe, il me semble. Yes, 14-0 pour les Blue Stars qui prennent une bonne option sur la victoire. On va pas se le cacher. Ça va être très très dur pour les Argonautes de revenir au score. Serré, hein. C'est ça. Attention à pas bouger. Fumble. Fumble sur le Fumble, snap. Ça va être rattrapé, je pense. Par les Blue Stars. C'est attrapé par les Blue Stars, c'est récupéré. Allez, beaucoup de bruit dans le public. Ça va sûrement être une passe. Tout à fait. Allez. Il est tout seul, le numéro 88. Ah là là, la passe qui est en dehors du terrain. Encore une fois un peu con, mais c'est bien défendu. Hein. C'est bien défendu par le DB. Ils sont les promus. C'est ça, de la division. Qui avaient gagné leur premier match. On retourne au jeu, le quarterback qui court. Et il va aller au bout tout seul. Non, il est plaqué avant la zone d'embut. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il faut qu'il court. Hein. Prendre le jeu à son compte. Ou le hat-trick pour Adrien Linda. Et c'est une course. Ça passe pas. Fumble. Ah, c'est sifflé avant. C'est sifflé avant. Jeu droit. Ouais. Et encore la spéciale. Non, cette fois-ci, c'est autre chose. Il y a une saisie par contre. C'est pas signalé. Il y avait juste flag. Ouais. Il n'y a pas de flag qui ont été lancés, mais il y a eu du contact. C'est un peu juste. Hein. Et de l'autre côté, c'était pas resté. Ouais. Il y avait de la saisie hein, sur Adrien. Actuellement, donc là, voilà. C'est reparti. Passe. Robert. Et c'est pas bon. Typé. C'est pas bon. C'est typé. Ah là 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 là. Ça. Nouveau stop de la défense des Argonautes. Ça va être une course. Hein. Ils vont se dégager. Et bah, c'est une passe. Une passe du numéro 15. Ah, c'est la première longue passe. Ah, mais le receveur qui n'est pas capable de se saisir, de se séparer de Adrien Linda. Ouais, pense. Et voilà, c'est la fin de ce troisième carton. Vous voyez le ballon à droite là qui est agité par le ref. Blitz du linebacker des Argonautes. Il est très bien pris. Passe à gauche et c'est droppé. Il est tout en haut là, tout en haut de votre écran, Robert Fargeon. Ouais, peut-être une passe pour lui. Non, c'est lancé. Et c'est un touchdown! Touchdown de Vincent Montero. Voilà, cette fois-ci, il l'a eu. La poste, magnifiquement bien joué. C'est très bien joué de sa part. Dans le timing, il s'est bien concentré malgré le défenseur. Une très belle balle. Le QB qui a mis un peu plus d'air. On le voit, il n'est pas satisfait hein, parce qu'il sait qu'il a beaucoup droppé aujourd'hui. Mais voilà, il a marqué. Je pense qu'une fois qu'il va s'habituer, ça va être très dangereux par contre. Ouais. Une fois qu'ils seront habitués à jouer ensemble. Ils ont tout pour retourner en demi-finale, les Blue Stars de Marseille. Voilà, c'est Cédric Cotard qui a très bien géré tout ça. La passe, et cette fois... Et c'est Pedro Rosa qui attrape la balle. À noter que c'était le numéro 17, le quarterback remplaçant Peter Seguir. Ouais, ça va être une passe, encore une fois. À gauche, sur Robert Fargeon. C'est malheureusement un peu trop long. Ouais, c'est dommage, un peu trop loin. C'est dommage. C'est énorme. 200 000 la saison, c'est ouf. Allez, la passe, Peter Seguir. C'est une passe. Et c'est le touchdown, Pedro Rosa, magnifique. Au milieu de trois défenseurs. Allez, le snap. C'est bloqué, attention, allez, il faut y aller. C'est plaqué tout de suite, c'est dommage. Même pour se mettre en place, là, c'est un peu laborieux du côté de l'Argonautes. Beaucoup de pression qui va arriver, ça va blitzer. C'est une passe. Et c'est un gros sac. Et le sac du numéro 66, Josanka, qui célèbre et il le peut. Et oui, hein. Très gros match de sa part, hein. Beaucoup de plaquage pour perte. Là, il sort avec un sac en quatrième. Il fait la différence. Premier et 10. Allez, ça va être lancé. Attention, 88, c'est saqué. Et le sac. Le sac du numéro 99. Nous n'avons pas son nom, malheureusement, sur le roster. C'est un effectif bien fourni. 29-0, on fait tourner. Attention, 88, c'est une balle. Bien catché, ça. Super joué. Souvent c'est leur première ou deuxième année, donc ça fait toujours du bien de catcher en match et pas à l'entraînement seulement. Ça fait la différence. Allez, sûrement une passe à nouveau, on va donner le 88, encore tout seul, et voilà. Et c'est le touchdown de Pedro Rosa, son troisième. Allez, field goal à suivre. Et Pedro Rosa qui transforme son propre touchdown. Et il va finir meilleur marqueur et meilleur kicker. Exactement. Favori également. Hein. Ah, tout à fait. Allez, une passe. Bien joué, c'est catché, ça c'est bien joué. Et le chrono qui va tourner, c'était ce match, c'était vraiment très plaisant, très bien réussi, très bien produit, c'est avec ça, de belles images. Félicitations à eux, très beau catch encore une fois. Hein. Et la première est faite, première et 10, il reste moins de 30 secondes à jouer. Ça va chercher loin dans la end zone, et c'est un peu trop long, le receveur qui n'a pas non plus réussi à trop se démarquer. Tu sais que ça va venir
On sait que ça va être une passe. Ah, il recule un peu, mais peut-être pas assez. Attention, non, ce sera pour personne. Trop loin. C'était à destination de Gabriel. Troisième à suivre. Combien de temps il reste? Est-ce que c'est pas la fin du match? On voit des coups de sifflet, on entend des coups de sifflet. Et c'est ça, victoire des Blue Stars de Marseille sur le score de 36-0. Sous les applaudissements du stade de l'Or de Marseille, devant leur public,